Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes on est le 21 décembre à 21h20. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai finalement réussi à m'en espèce avec Lucina tantôt, vers 16h environ. Disons qu'il y a eu quatre facteurs déterminants pour faire en sorte que genre que je réussisse enfin à rendre tout près de l'équipage et finalement m'y rendre, ok? Il y a eu quatre facteurs déterminants qui ont fait en sorte que j'ai réussi à surpasser 5,687 millions pour enfin finalement débloquer et être tout près de l'élite match. Bon, okay, le premier facteur, ok, c'est que, ok, ben, il y a eu un jeu de 3 vies contre 1 que j'ai dû être confronté, puis je me suis ramassé en mort subite et j'ai réussi à la gagner. Ok, avec un joueur vraiment difficile à battre, que j'ai recroisé aujourd'hui. Ça s'est passé hier, le jeu du jour, mais ça, je vais vous montrer ça tantôt. Il y a aussi, aussi le deuxième facteur déterminant, c'est que tout juste après le jeu du jour, ok, je me trouve confronté contre deux joueurs, le joueur de Luigi, oh non, ça je l'ai au bout de jouer contre ce joueur-là. Surtout qu'il saisit beaucoup, contre un joueur de Roi d'Adidou. Puis le Chrome était toujours bien placé, ok, pour réussir à nous faire un rattrapage deux fois plutôt qu'une. Puis à la fin, ben, qu'est-ce qui a fait de la différence? C'est que j'ai réussi à briser le bouclier de Roi d'Adidou. Qui a fait en sorte que j'ai pu mettre un B-Neutre en même temps du smash côté du joueur de Chrome. Et ça nous a ouvert le jeu contre le joueur de Luigi. Sauf qu'il saisissait comme un débile. Ouais, puis j'ai été confronté à 3 matchs à temps limité. J'en ai gagné 2 sur 3. Bon, ok. Puis là, j'ai subi ma première défaite. Puis ça s'est terminé en mort subite. Contre un joueur de Marie. Et c'est ça. Malheureusement, j'ai pas réussi à le pogner. Mais il a réussi à m'avoir avec une attaque aérienne sur le côté. Ouais. Bon. À part ça, Et ben, ok, puis comme je dis, puis par rapport aux morts subites, ok, j'ai presque tout remporté mes morts subites avec Lucina. Ok, j'ai été confronté à 8 morts subites, j'en ai remporté 6. C'est pas mal quand même, 6 morts subites sur 8 de gagner, c'est déjà pas mal, je trouve. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai pu gagner des points supplémentaires pour me permettre de me rendre en élite plus rapidement. Puis le quatrième facteur déterminant, ok, ben c'était, ben c'est le fait est que genre il y a quelqu'un qui essaie de se challenger à une vie contre 6. Dès le début du combat, il décide de se chuter en bas en espérant réussir un comeback. Mais imaginez-vous donc que ça a réussi, mais par beaucoup de chance. Tu sais, je sais pas si c'est en sorte que les joueurs étaient un petit peu faibles et qu'il a fait en sorte que ça a pu jouer dans la balance, mais c'était très dangereux de faire ça, puis surtout j'étais tout près de l'élite smash. Puis c'était ce match-là ici. J'étais tout près de l'élite smash, ok. Puis le joueur qui jouait Inkling, le orange et non pas le mauve, ok, ben... Je sais pas pourquoi qu'il s'en va me mettre dans le trouble, carrément. C'est une chance que je me suis bien concentré à la fin pour réussir à vaincre le joueur qui jouait Banjo-Kazooie, parce que ça a été vraiment compliqué. Parce qu'il faut vraiment tout gérer le B plus côté qu'il pourra utiliser 5 fois. Parce que tu sais jamais quand est-ce que le joueur va l'utiliser. Puis il faut que tu essaies d'épuiser sa réserve de B plus côté pour qu'ensuite que tu sois safe par la suite. Parce que t'as pas bien le choix, parce que cette attaque-là, là, ok, je te dis, il y a une puissance d'exécution vraiment énorme. Ça peut tuer à peine à 60% de dégâts. Quand tu la manges en pleine poire. Bon, ok, c'est ça. Puis pour vous dire, ok, j'ai joué combien de parties déjà? C'est marqué 304, mais ça,
C'est sûr que ça inclut tous les matchs que j'ai joués, incluant ceux que j'ai joué avec des amis, mais si on n'inclut pas ceux avec des amis, ça reviendrait à peu près à 259 combats. Puis environ 16h32 minutes avec Lucina pour moi dans les smash. Taux d'utilisation de 9,32. Puis pour mon pourcentage de victoire dans les 10 derniers matchs, ça tourne aux alentours de 80%. Mais les 50 derniers matchs, ça tourne aux alentours de 56% dans ma moyenne avec Ike, Buzzer puis Captain Falcon. Ça tourne à peu près tout le temps égal à ça. Quand que je réussis à gagner. Ouais. Disons 150. C'est ça. Puis quand on regarde mon taux de pourcentage en bonne position, ben j'ai 168% en bonne position. Dans les 50 derniers matchs, mais dans les 10 derniers matchs, par contre, toi en bonne position, c'est déjà aux alentours de 70 à peu près. C'est ça. Puis 68 quand même pour les 50 derniers matchs, c'est déjà pas mal. Bon, ok. Là, commençons avec mon premier match d'hier. Ok, en ligne. Puis en même temps, il faudrait que je pense à me réabonner là, pour que je puisse y jouer pendant un an de temps. Parce que mon abonnement est fichu. Pour l'instant, je joue sur l'essai de 7 jours gratuits. Et oui, un duel à temps. Vous savez comment que je suis très bon dans les duels à temps, c'est-à-dire que j'ai au moins 90% de victoire. Ben, tout près de 90%. Là, j'ai pas compris ce what the fuck là. Bon, voilà. Ah, non, ça a pas marché. Oh, boucle parfait. Disons que ça m'a beaucoup aidé le boucle parfait. Au début, là, je réalisais pas c'est une partie à temps. J'ai juste réalisé quand j'ai perdu ma première vie. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ouais, ok, bon, j'avoue que c'était un peu con. Qu'est-ce que j'ai fait là? Quelqu'un que j'ai réalisé, genre c'était une partie à temps. Là, en perdant un point, je me suis dit, ok, bon, là, il faut que je me réveille. Là, c'est une partie à temps. Là, tu sais, je peux pas me perdre de perdre ce match-là. Surtout que ma statistique là-dedans est très, très, très haute. Comparativement à au moins une moyenne de 56%, on pourrait dire, les 50 derniers matchs, si on inclut tout le spot. Mais dans les duels à temps, là, je suis très très bon. Même avec Tim, ils ont eu de la misère à m'arrêter. Je vous niaise pas, là, c'est pas des jokes, qu'est-ce que je fais là. La meilleure chance que vous avez pour me vaincre sans mort subite. C'est dommage que j'ai pas réussi à faire mon effet météore à la toute fin dans les deux dernières secondes. Contre le jour de Marie, j'aurais pu gagner en faisant mon troisième KO. Ça, c'était pas assez suffisant pour ça. Non. Mais vous avez vu quand même, genre le. Oh! Checkez ça ici, comment ça va être drôle ici. Checkez ça. Tu vas avoir un bouclier parfait avec ça. Regardez ça, une carapace verte. Oh, bouclier parfait. Checkez ça. Oh, là, il s'attendait peut-être probablement pas à recevoir ça. Ça, c'était tellement drôle. Il a dit qu'il était en chat. C'était tellement drôle. Oui, quand tu bois, tu subis des dégâts. Ouf. Je suis chanceux, là. Je vais juste économiser du temps ici. Pour éviter de me faire mettre KO. Puis me remettre pas confronté au moment subit. En tout cas, un drôle de moment ici, là, qui m'a permis de gagner la partie. En tout cas, moi j'ai fait un guess là-dessus. J'ai gagné haut la main. C'est avec ce guess-là. J'étais là.
Ouais, what? Priest, il est mort. Il est mort à 80, esprit. Oui, oui. Bon, en fait, téléportons-nous pour une partie d'endurance. Ben oui, il y a eu une partie d'endurance, mais de 200 PV pour 3 vies. Donc 600 PV au total. Mais quand même, c'est plutôt surprenant, genre, que j'ai réussi quand même à rester longtemps puis à finir avec 2 vies. Les mauvaises choses ont dû être favorisées dans Valence. Aussi, ben, le joueur de qui jouait le Pokémon Trainer, là, il était très fort aussi. Moi, je joue Nathan, lui, il faisait du mieux qu'il pouvait là, pour me vaincre. Le Kirby, il était pas vraiment de taille contre les autres. Là. Le joueur de Mario, là, saigné avec ses saisies, là, il était tout énervant, là. Toujours en train de me saisir, le monde est toujours en train de me saisir, parce qu'ils sont pas capables de me toucher avec leur smash. Normal, soit je me protège, ou soit que je suis genre dans les airs. Au-dessus d'eux pendant ce temps-là, puis c'est hors cible dans ce temps-là. Hey, non. Aïe aïe! Ouf! T'es cheap là, si il faut nous faire chier de même là. Okay. Oh! Attention, t'es ching! Les deux en même temps en plus. Dommage que j'ai pas eu d'encouragement. On dirait que je sais pas ce qui est arrivé là, je sais pas là. En tout cas, ça manquait d'efforts là, pour revenir vers le rebord après. C'est comme là, il y a eu un abandon total. Moi j'ai pu l'éviter. Ah, le chanceux. Gardez encore une fois sans rien me saisir. Oh! Oh, beaucoup de parfait pour moi. Je sais pas si c'était contre la balle de feu ou contre une des attaques du joueur de Curry. Regarde, il essaie encore de me gober, lui, là. Si vous voulez un truc pour essayer de vous sortir le plus rapidement possible de la bouche de Curry, vous pouvez juste secouer de gauche à droite en alternance avec votre manette. Pour essayer de vous sortir de sa bouche le plus rapidement possible. Sinon, vous allez rester là bien longtemps. Il sera rendu trop tard pour récupérer après. Oh oh! C'est que ça, vous avez vu ça? Ça, c'était un méchant beaucoup, là, je viens de faire là. Tiens, c'est tin tin tin. C'est tellement puissant, genre, cette attaque-là, Seigneur, ça. Je te dis, ça peut aller jusqu'à 50% des dégâts d'un coup. Avec le smash final de Lucina. Thank you.
Non, c'est vrai, okay. Je pensais que j'avais perdu. Non, c'est correct, c'est beau. De toute façon, là, j'étais à 200 PV, là. Il y avait aucun risque que j'avais rien à perdre rendu là. Je vais juste enchaîner les dégâts le plus vite que je pouvais. C'est bien passé la partie en mode endurance. Et en ce qui a trait genre au duel où ce qu'il y avait des où ce que j'avais à 20 avec mon sosie, j'ai pratiquement tout remporté mes matchs contre mes sosies. À part un match ou deux. Bon ben on se rejoindra pour la suite.